Je me fais réappuyer partout. Pour la dernière soirée. Run, run, fast. Bye. J'ai envie de pleurer sincèrement. Les amis, je vous retrouve encore le lendemain matin. Là je suis en train de prendre mon petit déjeuner, il est bientôt 9h je crois. On va à l'école pour 11h30 aujourd'hui parce qu'en fait on va nous remettre nos petits diplômes. Et ensuite on part sur Manchester, on a loué un petit hôtel là. On a décidé de retourner à Manchester tout simplement parce qu'il y a tous les amis que Léa s'était faite la première semaine. Et du coup moi j'ai fait connaissance avec eux, ils sont grave cool. Donc on va sortir en prévision de mon anniversaire qui est dans 2 jours. On va faire un petit peu la fête ce soir, donc écoutez je vais vous embarquer avec nous, je pense que ça va être une grosse journée. Du coup je prends des forces à mon petit déj. T'es un petit croco, le soleil est dans ma vie. Y a pas de quiproquo, le soleil est dans ma vie. Non mais je suis sûre il a hanté cet appartement meuf. Encore cette nuit j'ai entendu des bruits chelous dans le salon. Cette nuit j'ai dégagé au salon parce qu'il y avait des oiseaux là. Je sais pas si c'était devant la fenêtre de la chambre ou quoi. Ils sont vénères les oiseaux ici. Je crois que le lampion a attiré toutes les mouettes du quartier. Elles sont venues gueuler à 24. Mais elles sont vénères les mouettes ici. Ouais. C'est abusé genre vraiment hein. On est en train de se préparer du coup pour aller pour chercher le diplôme. Ça fait beaucoup de jaune. Ah oui voilà. En vrai je suis habillée normale à côté. Et moi à côté voilà. Je suis en jaune aussi. Oui c'est vrai, on est assorti. On est le petit soleil. Oui. Le soleil. Le soleil est dans ma vie. T'es un petit croco. Bon bref, on va en courant. Les Brigitte Bardot sont de sortie. Il y a une mouette qui a la patte cassée. À tout moment dans 10 minutes on se retrouve avec une mouette dans les mains. Direction le vétérinaire. Hi, excuse me, we are French. We called to know if we found a seagull on the street. C'est moi qui récupérais le vlog. Oh. Attends, mais meuf, il est pas ouvert. À ce qui paraît, il y a des gens qui vont venir la chercher parce que c'est un peu la galère et qu'elle est hyper stressée. Du coup, on sait pas trop en fait. On doit remplir un petit formulaire pour la graduation. Oh, c'est pas le même clavier. Et où le arrobas? You found? You found? Yeah. Ah merde. Bah oui, je me fais réappuyer partout. I didn't stay here a lot, just 1 week, but it was so cool and I meet people so friendly, so thank you. Bravo. There you go, Charlie. Hope you've done your homework. Thank you so much. Bon c'est parti, regardez-moi ce bordel qu'on doit à nouveau prendre. J'ai tellement la flemme de tellement prendre. La flemme de prendre mes valises, ça me saoule déjà genre. J'ai tellement la flemme de me trimballer ces deux merdes de valises là. Bref, je crois qu'on avait la flemme. Je vais peut-être faire une petite sieste. Ouais, on va faire une petite sieste, on se retrouve après. Regarde c'était de folle. Du coup on est bien arrivé à Manchester. Là on va aller manger avec une copine à Léa qui est italienne. Et ensuite on rentrera à l'hôtel se préparer parce que ce soir c'est la fiesta. Bon on est arrivé dans la salle, dans la chambre. Oh je suis fatiguée hein. On va enfin pouvoir sortir oh merde j'arrive pas à parler. Dormir, pas en couple. J'en pouvais plus, Léa fait que rebondir la nuit. Du coup le lit ça fait bang bang. Ah, qu'est-ce qu'on est bien entre amis. On papote. On passe des beaux moments ensemble. C'est moi qui a fait une bonne. T'es vachement drôle toi ce soir hein. Ouais je sais, j'ai bonne humeur. Mais c'est notre dernière soirée. Je peux pas ouvrir à la maison Blangelle. Ils vont se péter sinon. Moi j'ai cassé les miens donc ça va. C'est bon. Bois, bois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je le dis au cas où j'oublie de l'écrire. Chill pour la dernière soirée. Et mon anniversaire. Oui. J'ai 24 ans, ça se voit pas. Hein. Tu vois quand t'es démaquillée d'habitude les gens ils disent oh t'es malade. Moi on me dit oh, mais t'as rajeuni. Oh ce plafond. Et il est pas beau. Non. Mais non mais je trouve ça bizarre. Je sais pas, je trouve qu'il est original. Qu'il est original. A plus tard les amis, elle me fatigue. Qu'est-ce que c'est là, celle-là? Il pleut les gars et on est grave à la boue.
partir, on a mangé au resto. Run, run, fast, fast, harder, fast. On a une demi-heure. 40 minutes, ouais, ça va, pour se préparer. Oh putain, deux étoiles. Oh shit. Oh, le sport est très loin là. Oh, j'ai la tête qui tourne et tout. On est perdu, ça commence. Super. Ça commence. Super. Ah, ah non, ah si, là. On va y arriver, non, on va y arriver. It's okay. Oh, la clé de la chambre. Je l'ai. Oh. Don't worry. Be happy. Yeah. Oh, j'ai loupé la chambre. Bon, on est prête. Il y a Furkan qui vient tout juste d'arriver. On va aller en boîte de nuit. We go to party. Yeah. Yeah. Are you exciting? No. Yeah, I'm really exciting. Oh my god. Bon, on est parti. Direction la boîte de nuit. Je sais pas du tout où on va. Moi, je suis le mouvement. Yeah, I'm vlogging. Ok. Oh, Halba, hi. Say hi to the vlog. Bonjour. Ouais, en fait, on est genre 15 personnes sur la rue. Oui. On va aller en soirée. Oui. En NCT family. Yeah, you know. Yeah. So, have fun, guys. Yeah. Few moments later. Les gars, si vous saviez à quel point le matelas était inconfortable, je suis pas difficile, hein. Mais là, je dors actuellement sur des ressorts. J'ai l'impression que j'ai des cailloux qui me rentrent dans le dos. Je crois que je vais aller dormir par terre, c'est plus confortable. Léa, elle est toujours en boîte. Moi, j'en pouvais plus, je suis rentrée toute seule. Et du coup, je me fais chier parce que finalement, je suis pas fatiguée maintenant que je suis au lit. Peut-être je vais retourner en boîte en pyjama. Ou dormir par terre, je sais pas. Il est 9h. Il va falloir que je fasse ma valise parce que concrètement, hier je disais à Léa, t'inquiète, ma valise, moi j'ai l'habitude, je vais pas la foutre à bordel. Hier je savais pas quoi mettre, du coup j'ai déglingué ma valise. Il faut que je la refasse de A à Z. Mais c'est Oh, j'arrive pas à parler, putain. On a passé une grave bonne soirée hier. Tu t'es amusée, Léa? Oui. Franchement, c'est une trop belle expérience. Genre, c'est ce que je disais à Léa, là, il y a deux secondes. C'est des gens que je connais, ni Nathan, ni Dev, que je reverrai jamais, que j'ai vu une fois dans ma vie hier soir. On a bu ensemble, on a dansé ensemble comme si on était amis depuis 10 ans. Genre, c'était trop bien. Et du coup, voilà, bon, on est rentré un petit peu plus tôt que prévu de boîte. C'était cool. Et là, maintenant, on va aller manger pour la dernière fois avec Alba et Furkan. Et ensuite, nous allons décoller direction The Friends. Oh, par contre, hier, j'ai grave bien parlé avec plein de gens en anglais. Ah ouais? Ouais. Genre, il y avait un mec, je sais pas si t'as vu, il avait un tatouage sur la lèvre. Et genre, je me suis pas posé de questions. J'avais envie de lui demander si ça faisait mal. Genre, tu sais, bon, peut-être parce que j'avais un peu bu. Mais habituellement, j'y serais jamais allée parce que je me suis dit, après, il va me parler, je vais jamais savoir quoi répondre. Mais là, bah, les couilles, en fait, j'ai même pas pensé. J'ai demandé si ça faisait mal. Après, on a discuté, genre, normal. Et j'étais grave contente, j'arrive à tenir une conversation. Il m'a dit que je parlais bien. J'étais contente. Qu'un Liverpoolien me dire. Oh, par contre, je parle vraiment plus bien la France. Oh, je vais aller faire ma valise. Je suis tellement. Non, je suis pas fatiguée. Mais. Oh, si, un peu. Regardez-moi ce petit truc là. Vous croyez qu'il est en forme ce petit truc? Je crois qu'il est pas très très bien de la soirée d'hier soir. Aurais-tu un petit peu trop bu, Léa? A little bit? Non mais franchement meuf, t'as vu, il y a une tasse de thé à côté d'une canette d'Heineken. Ah ouais, l'eau elle est crado ici, hein. Mais bon, tant que ça nous donne pas la diarrhée, ça va. Bon, je vais faire ma valise. I've got a hangover. Whoa. So I can go until the flow up, and I can drink until the top. Keep coming, come on. We
Wow, ma tête, meuf. Oh, on a pris à manger un petit peu au prêt-à-manger. On va manger avec Fourcan et Alba midi, mais là on avait trop faim, donc on a pris un petit truc. Ça me va pas. Enfin, je trouve que c'est trop grand en fait. Bon, on est à la pizzeria with Léa et Alba. En vrai là, on est toutes les trois assez KO de hier. Hangover. Yeah, hangover. I've got a hangover. T'as vu notre story ou pas ce matin? Ouais. I got a hangover. Mais comment vous avez l'énergie? En vrai, quand on a sauté, il y a l'alcool, il est remonté en avant. Après, j'ai vomi, on s'est couché, j'étais en mode, je vais vomir. Donc on va se prendre une petite pizza et ensuite go to the taxi pour aller à l'aéroport, voilà. Oh, les trucs. Elle veut venir à matin nous voir. Ouais, on est promis. Un autre. S'il vient pas, dislike des vidéos, tu m'as même pas checké, frérot. Hello darkness, my old friend. Oh, on a commandé des profiteroles, regardez ce qu'on a eu. C'est le fail de la journée là. En plus, c'était mis genre profiteroles avec du ice cream, avec du caramel et tout. Je sais pas quoi. On a trois boules. Ça y est, c'est la fin. On doit partir avec Léa. We need to go back home. Yeah, with this head. Je finis le vlog en beauté les gars. Oh, I'm gonna miss you. Guys, bye. You don't know, but you have maybe many ideas about this girl, but I know her and for 1 week, but she's a really nice person. Oh, you make me cry. No, 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 I'm just telling the truth. Bye. Je me suis encore fait contrôler, mais cette fois-ci mon sac à main, la totalité de mes affaires. Elle s'est fait faire une fouille anale et tout. Hein. Non. Mais il y avait rien en fait, ils ont rien trouvé. À chaque fois, je me fais contrôler pour rien. Je sais pas, je dois avoir une tête de criminel. Bon les amis, je suis trop calée là. On a une heure de retard. On est au bout du rouleau, c'est la routine quoi. Léa, quelque chose à rajouter? Non, là je suis un peu. Elle a la diarrhée. Mais bon, tant que ça nous donne pas la diarrhée, ça va. Ouais, c'est à cause du stress. Après 2 heures de retard, nous sommes enfin dans l'avion. Avec des bébés. Il y en a au moins 3. A few moments later. On est dans l'avion, comme je vous ai dit. Et là, le pilote nous informe que l'appareil ne pourra pas démarrer avant 55 minutes. Top. J'ai envie de pleurer, sincèrement. Une nuit en complète, non, hein. Oui, je pense qu'on est là pour la nuit, très sincèrement. Je pense. Joyeux anniversaire bientôt. C'est mon anniversaire dans 4h30. Ouais, tu nous montes avec je moi. Pense que je ferai mon anniversaire dans l'avion. Si jamais les passagers sont chauds, on met la musique, on fait la fête tous ensemble. Tu mets les bougies. Non, tu mets les bougies, tu fais péter l'avion, on repart plus. On est très fatigués comme vous pouvez le voir. Voilà, exactement. Bah du coup, je vais prendre ça. Voilà, ce sera tout. Tout. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir.